C'était des jeunes, c'était des étudiants en école d'ingé. Ah ouais, ouais, à Grenoble. Il y a une nuit de Grenoble, pardon. C'est ce que je te disais depuis le début, donc, que j'utilise cette crème pour les hémorroïdes. Oui. C'est en direct là. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui avec Valérie. Et Valérie. On se retrouve aujourd'hui pour le film de passation 2023. Voilà, comme il est très attendu. Tout de suite, le premier film. De beaux rêves. Oh non, papy, encore une histoire. Bon, d'accord, j'arrive. Oui. Ah. Il était une fois deux familles bien distinctes qui se foutaient sur la gueule. La première possédait tous les commerces de Grenoble et avait une richesse incommensurable. Elle s'appelait Lexou. La deuxième famille s'abreuvait du sang de leurs ennemis et était impitoyable. Ils s'appelaient Lexang. Eh mais c'est marrant, ils commencent tous les deux par un X. Ferme ta bouche. Malgré toutes ces tensions et rivalités, un homme, un seul, maintenait la paix dans le village. Malheureusement, cet homme allait prendre sa retraite. Et les deux familles s'apprêtaient à se refoutre sur la gueule. Oh non, ça va faire peur. Oh, tu veux que j'arrête? Continue. Très bien. Quelques temps plus tard, après le départ du chef, les Xu utilisèrent le point faible de toute la famille Xang, l'ail, et tentèrent de les empoisonner. En réponse, les Xang leur firent les poches, et c'est comme ça qu'ils obtinrent un max de souk-souk. La situation devenait intenable dans le village cubien. On fit donc appel au seul homme capable d'apaiser les tensions, le seul héros qui fut de retour. Cette démarche, vas-y, on se la remet. Le chef ne tarda pas à agir. Après avoir défait sa valise et pris une douche, il appela les deux représentants des familles pour un match sans pareil. Un ultime combat fut décidé. Celui qui perdra cette bataille aura perdu la guerre. Ok Max, ok Coulon. Cette partie va déterminer qui de vous deux sera le prochain président du BDA. J'ai une pièce. Si c'est face, Max, tu commences. Si c'est pile, Coulon, tu commences. Parti. Ok, Max, tu commences. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Son ouverture était tellement originale. Peut-être ici, non? Il a lu mon ouverture au 4. Il a répondu par A5. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je suis complètement bloqué. Peut-être le cavalier en F7? Je sais pas. Je connais rien.
Oui, je sais, il faut roquer. Vraiment bien travaillé son ouverture. Je vois que ce n'est pas n'importe quel adversaire. Bon, il est temps que je me concentre. C'est sérieux? C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi là? On peut pas se concentrer correctement là! Grave! Ah mince, désolé, j'ai pas fait exprès. Ouais, désolé les gars, merci Emma. Bah du coup, on va faire un autre jeu. Donc, voici des cartes pour vous. Tenez. Vous êtes prêts les gars? C'est parti. One eternity later. Bon les gars, on va fermer. Putain encore. Oh. Allez, pas d'histoire, on y va. Mais mon carré d'as. Mais on n'en finit jamais. On est où là? Bon les gars, ça m'a saoulé. Venez, on va faire du dessin. N'importe quoi. On va faire un concours artistique. Je vous donne à chacun une feuille et un crayon. Et c'est le public. Les mecs, c'est nul. C'est pas BDA ça. Comment est-ce que vous voulez que les gens votent? Pour les aider, on va faire un petit retour sur les campagnes, je pense. Ce sera plus efficace. Et des choses, oh ça, ils en avaient fait pendant les campagnes. Ok les mecs, bravo pour ces campagnes, le public a voté.
les gars. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je parlais au Perchman et là, le direct a commencé. Ta gueule, c'est vrai? Jure, le direct a commencé, ils m'ont regardé en mode. Tout de suite, la présentation du bureau des sports, ceux qui font du sport. Parce que c'est bien le sport. On aime bien le sport. Cool. Surtout le lancer de hache. Gagnez les Olympes l'année pro. S'il vous plaît. Allez-y. We'll be right back.
suite un témoignage poignant, un retour en direct sur ces campagnes qui ont été déjantées, vulgaires et autonomes. Et on envoie tout de suite notre envoyée spéciale, Emma Djoukturbo-Gervaise, la présidente du bureau des élèves actuel, qui va nous permettre d'avoir une émission carrée. J'ai un autocollant sur la gueule quand même là. Ouais, okay. Totalement. Ok Clément, qu'est-ce que tu penses de ta soirée actuellement? Ça va, pour l'instant le début est fait, après il y a plein de choses en temps. Et on verra fin de soirée si elle vient ou pas. Et ces campagnes, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Régal, la team est hyper soudée, les chefs. Et le sourire c'est un peu incroyable. De toute façon je leur ai dit campagne plaisir et c'est ce qui régale. Très bien, est-ce que tu penses que vous allez gagner? Ça, rien peut nous le dire. On attend de voir les deux soirées, 80% des votes pour moi se passent en soirée. On attend de voir les soirées pour voir si on peut gagner ou pas. Quel a été ton événement préféré? Waouh, en vrai de vrai, l'événement que je préfère et que je kiffe le plus, c'est celui-là ce soir. C'est cette soirée, elle est incroyable. Et j'adore les décos. Merci beaucoup Clément, c'est une fin d'interview. Bisous. Ok, qu'est-ce que tu penses de ta soirée? Les ressentis sont bons, donc je pense qu'elle est réussie. Bon, on est avec Adrien Petit Poisson, le président des CASH. À des chauds. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces campagnes? Est-ce que tu as kiffé ces campagnes? Ouais, franchement, bon souvenir. Là, c'était dur un peu les derniers jours, là. Parce que tu sais, je suis resté aux soirées, du coup, je suis pas mal stressé. Mais bon, là, on va voir comment ça se passe ce soir. Mais... Non, moi, je suis content. Tout le monde a l'air plutôt content dans la team, donc c'est... Ouais, avec la liste, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Nickel. Les SOS et tout, tranquille. Ouais. Vous connaissez, il y a eu deux, trois petites galères, la ZAD. on est là. Ok, ça se passe. Niveau event, est-ce que t'es content de ce que vous avez pu nous fournir cette année? Franchement, bah, dans les campagnes, tu veux dire? Ouais, dans les campagnes. Ouais, franchement, ouais. La cafette, on a eu des giga bons retours. Ouais. Là, la soirée, pour l'instant, ils ont mis la barre très haut hier, je trouve, mais on verra les retours qu'on a demain, mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ouais, est-ce que toi, t'es fier de ce que t'as fait? Ouais, je suis fier de ce que j'ai fait. On a fait ce qu'on pouvait, on est fier de ce qu'on a fait. Ok, est-ce que tu penses que tu peux gagner ces campagnes? Bien sûr, tout est possible. Je pense là. Au début, on doutait de nous, mais on est revenu petit à petit et je pense que là, tout est possible. On est à la scène ouverte et on est avec les... Zong. Wow. Est-ce que les gars, vous auriez une anecdote de campagne pour nous, là, maintenant, tout de suite, en exclu? Direct. T'as eu une énorme bite avec une bombe attaque dans tout ce mec. Il a dû se faire poncer le dos pour que ça parte. Il est resté un jour. C'était quand? Après la chasse aux fraises, je m'en rappelle même plus. Masterclass l'anecdote. Ok. Est-ce que vous avez, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ces campagnes? Franchement, c'est vraiment trop cool. Épuisant, mais trop bien. Tout à fait, c'est trop bien. Franchement, c'était incroyable. Pas des deux heures. Pas des deux heures. Attends, profitez de Traquenard les prochains. Ah, vous avez fait Traquenard un peu? Ouais. Ah, ouais. Par qui? Bah, c'est pas de bon plus. On est avec Rémi Cuse. Rémi. Stop. On est avec Rémi Cuse. Qu'est-ce que t'as pensé de ces campagnes? C'était incroyable. De les vivre en tant que deux ans et pas de première année déjà. Okay. Et pour qui tu vas voter? Ouais. On est actuellement avec Olga. Salut la team. Olga, qu'est-ce que tu pensais de cette campagne? Toi qui en as beaucoup vécu et qui a genre un peu d'expérience maintenant. Campagne très enrichissante, beaucoup de très belles rencontres. Plein de bonnes idées, beaucoup de créativité chez les ORA. Donc hâte de voir les résultats et l'année prochaine les mandats. Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Ouais. Est-ce que tu veux nous le partager ou pas? Non. Ok, c'est secret pour l'instant. Ouais, pour l'instant, mais on en discute aux résultats si vous voulez. Ouais. On se retrouve avec Emma Cash. Coucou. Alors, qu'as-tu pensé de ces campagnes? Eh ben, j'ai trouvé ça très fatigant, mais super cool. Genre on s'est tous rapprochés, il y avait des membres de la liste qui n'étaient pas forcément hyper investis et tout le monde s'est investi donc c'était super cool. Après la soirée c'était rude. Mais tout le reste c'était vraiment trop bien, mieux que ce que je pensais. Ok, t'as kiffé? Ouais, de ouf. Est-ce que tu sais un peu déjà pour qui tu vas voter? Oui. Ok, est-ce que tu veux nous le communiquer ou pas? Non. Ok, ce sera la surprise. On se retrouve aux urnes lundi et mardi? Yes. À voter. Alors les rumeurs courent comme...
un projet. Bonjour, excusez-nous là, vous êtes un petit peu intrusif. On aurait une petite question pour vous. Oui. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé des après-média? J'ai vraiment adoré les après-média. L'hypnose était impressionnante. Je me suis même fait hypnotiser moi-même. Je sais pas si vous avez peut-être pas vu sur les vidéos, ils ont peut-être pas dû le poster, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je me suis sentie vraiment dans le truc. Et vraiment, j'ai adoré celle-là, ouais. Ok, super. Et concernant les après-mêmes BDS. Les après-mêmes BDS, eh ben c'était sportif. C'était vraiment super sportif. Mais non. Ouais. Merci à tous. L'enjeu des blagues, dit mon point de vue, que je les entendais entre cunis, qu'est-ce que vous t'as déjà... c'était vraiment des gros puceaux, quoi. C'était vraiment des gros puceaux. Et je les aimais tellement pas, j'ai fini par leur dire. En fait, je suis très sincère, franchement, j'ai fini par leur dire. Merci au BDA, merci au BDS et merci aussi au Duke de Merde quand même pour ce mandat BDE. On a été élus, notamment déjà parce que tous les membres de la liste ont voté pour les Jukes. Et maintenant, on s'est vraiment investi dans tous les événements qu'on a pu faire jusqu'à présent. Alors, on espère que ça vous a plu. Sauf un. Place au nouveau BDE. We'll be right back.
Ah, ah, on me dit dans l'oreillette que c'était le mauvais film. Ah, toutes nos excuses, toutes nos excuses. Joke de merde. On passe au suivant. Vous avez perdu, rejoignez le BIE, meilleur assaut du NP. Putain, mais mec, c'est une blague. Pourquoi ils tapent à chaque fois? Mais ils sont nuls à chier, la régie, on demande le vrai film, ils disent, on fait des blagues, arrêtez. Oh. Ah, moi je prends le son. Non mais je m'en fous, gros, tu prends le son, t'es maquetteur, je m'en bats les couilles, mettez le vrai truc, allez. Je sais que c'est pas moi que t'as envie de voir, mais perso je m'en fous, moi j'ai déjà perdu. Tu cherches une association qui va te permettre de voyager dans toute l'Europe à petit prix et de rencontrer des gens de toute l'Europe. Alors Best Grenoble est fait pour toi. Clap, clap. We'll be right back.
check, check, check dans toutes les soirées. J'entends Jekt, J-E-K-T jusqu'au bout de la... La prof, on la tabasse. Yeah. Tu sais pas de quoi je suis capable. J'ai tout l'attirail dans le cash tap. Dance in time, time, a chaque bye, yo. Bye.